Je cherche ma raison d'être, ma raison axiale et auxiliaire, à voir ma raison d'être. Au passé, à la voie passive, j'ai conduit avec excès accordé au complément à l'objet. Et direct, j'ai foncé entre marasme et pléonasme. À présent, sous mon toit circonflexe, je dessine de parfaits cercles vicieux et des futurs conditionnels. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui vit virtuel, sans raison d'être, et sans cesse fredonne les airs AIS. Je me mets toujours en préposition, mais je ne pars jamais. Je trouve des prétextes, un faux que des subjonctifs. Je suis le genre qui s'accorde à l'accent aigu pour vivre au passé et fuir le présent. Et si le présent fut, je refuse l'orthographe. Je malaxe la forme du mauvais temps pour en faire un topoco. Et je redescends au bon vieux temps. Pluriel s'en est différent avec la conjugaison. Et petit trait d'union entre passé et présent. Trait de néant pour être plus adjectif qualificatif. Manier le temps est un art difficile. Être est difficile. L'absence est aisée. J'ai du mal à être, car être c'est avoir. Je veux être, mais sans me faire avoir, sans me soumettre à la tyrannie du temps. Voilà, c'est dit calmement, sans hausser le temps. Merci.